Pulling out the coupe in the lot. Pulling for a 12-foot squat. Pulling all the bells out the box. Hit the leaf. Yo les mecs, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur du FC24, encore une fois les gars, deuxième vidéo concernant la Toti sur FC24. Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous montre encore une fois un petit banger que j'ai pack. Actuellement les gars, on est au RTTF et demain, il y a les Future Stars qui commencent. Future Stars qui me hype un peu pour le coup, il y a de très belles cartes. Mais du coup c'est pas le sujet de la vidéo, on verra si je pack un petit truc du coup dans une prochaine vidéo. Mais du coup là les gars, je vous laisse avec le clip simplement du joueur que j'ai packé et on se retrouve juste après les mecs. Pire connerie je pense en vrai. Ouais. Ça sera Bernardo si on voit bleu. Oh Ikun, oh s'il vous plaît. Oh Ikun. Mataos s'il vous plaît. Mataos. Non. Oh non, les enculés! Oh non, les enculés! Non! Oh, c'est Toti, allez! Bonjour! Et s'il vous plaît! S'il vous plaît! Ah bon, s'il vous plaît! Je sais pas qui y a, mais s'il vous plaît! Oh non! 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 Non, 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 c'est pas possible! C'est... Oh non, mais on va t'en rendre! Vas-y, qui a chassé? Vas-y, vas-y! Non, mais attends, mais c'est pas possible encore! Allez, ton camp, t'es mort, t'as fait pour rien là! Et ouais, les gars, comme vous voulez le voir, on a pack Patoche, on a pack Patrick Vieira, les mecs! C'est tout simplement incroyable, hein. Quand je l'avais packé, au moment où je l'ai packé, je crois que ça coûtait 7 millions, que ça fluctuait un peu. Bah là, c'est à peu près toujours 7 millions, c'est entre 6, 5 et 7 millions. Du coup, les mecs, c'est vraiment incroyable à côté de Pouteas. En plus, pour le coup, j'ai vraiment milieu de terrain jusqu'à la TOS, hein, facilement, clairement. Le jeu, je remercie le jeu un peu pour ça, parce que pour le coup, là, mon milieu de terrain va plus bouger pendant un moment. En plus, je trouve que c'est vachement complémentaire, pour le coup, entre Pouteas qui est vachement plus offensive et Vieira qui est un profil plus défensif, pour le coup. Et du coup les mecs, pour ceux qui n'avaient pas vu, Vieira de base il est en 3-3 sur sa carte, là il en vit en 4-4. Il a double playstyle, je sais plus ce qu'il a de base, il a peut-être lui ou lui, je sais plus. Mais du coup il a ça comme playstyle. Du coup il peut jouer MCMDC aussi au niveau des stats, les mecs je vous laisse regarder un petit peu. Mais de toute façon Vieira une game c'est beaucoup trop fort. Du coup les gars, pour ce qui donne de l'équipe, j'ai fait une petite évolution de Brendas parce que je suis pour le Real moi les mecs. Et du coup en plus je pouvais passer en 5 de GT, au moins ça fait une petite carte en 5-5. Ouais, si on peut le refaire évoluer par la suite, ça pourrait être pas mal parce qu'il a quand même une belle carte. J'ai fait le David Neres objectif, pardon, parce que Neres in-game, je le trouve vraiment très fort. Donnez-moi vos avis au cas où en commentaire si vous l'avez fait. Mais moi, je le trouve vraiment pas mal in-game. Concernant Pouteas, du coup, là, j'ai fait plus de matchs avec. Là, je suis à plus de 100 matchs avec elle. Et si vous voulez un petit retour, bah, c'est toujours aussi fort. Hein, les mecs, niveau des enroulés, etc., c'est hors surface, c'est très très fort. Et après, bah, c'est beaucoup trop fort in-game, c'est l'une des meilleures milieux du jeu. Très clairement, là, ça va au plus de 8 millions maintenant, parce que les prix de Toti, ils ont beaucoup augmenté. Et du coup, au niveau de l'équipe, ça reste ça, globalement. Pour ceux qui voulaient un petit TV sur Davy, je ne sais pas si on peut encore le faire. Mais je trouve que c'est vraiment le meilleur des jeux offensifs du jeu, ça c'est clair. Après, niveau défensif, c'est sûr que c'est meilleur un Hernandez Toti, bien sûr. Et même peut-être un Hernandez version en dessous, la Dynastie ou Mendy Centurion. Mais franchement il se fait très peu bouger au physique Davis, il est très physique. Donc franchement une game c'est très très fort ce petit Davis. Aussi je voulais vous remercier pour la précédente vidéo qui vous a globalement plu. Donc c'est plutôt cool quand j'avais packé Pouteas justement. Je vais essayer de sortir des vidéos plus régulièrement aussi. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Et du coup les mecs c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres jeux. N'hésitez pas à me dire sur quel jeu vous voulez me voir. Je suis assez ouvert pour le coup. Il y a plein de jeux que j'aimerais bien tester. Et du coup les gars je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bye tout le monde.